Au siècle précédent, dans les années 30, Torrelavega était une ville de 18 000 habitants. C'était une ville petite face à Santander, la capitale de la province, qui comptait 80 000 habitants. Mais Torrelavega avait une croissance de 3 000 habitants par décennie, due à l'accroissement naturel et à une immigration de plus en plus importante. L'activité industrielle et le commerce étaient le moteur de l'économie. Il s'agit principalement d'une industrie chimique et la production de chaussures, meubles, pièces mécaniques et produits alimentaires, surtout ceux dérivés des produits laitiers. La création d'un établissement d'enseignement secondaire fut très importante pour Torrelavega, puisque cela permit un décollage dans plusieurs sens, surtout dans le domaine social et culturel. On accorda le projet du lycée le 9 octobre 1931 avec la condition que la mairie fournisse l'emplacement, le bâtiment et le matériel nécessaire à sa mise en service. Fin 1931, la ville n'avait toujours pas lancé l'appel d'offres pour la réalisation des travaux. C'est à ce moment-là qu'un représentant du ministère décida de faire un voyage officiel à Torrelavega dans le but de contrôler sur place le progrès des travaux du lycée. Si ce représentant constatait que la construction du lycée n'avait pas commencé, la ville risquait de perdre cette concession. Alors, à l'arrivée du représentant, la mairie organisa un long circuit touristique dans diverses localités comme Santillana, Comillas, San Vicente de la Barquera, afin de l'occuper pour qu'il n'ait pas le temps d'aller sur le site encore inexistant. Le lycée fut officiellement inauguré le 30 octobre 1932. Les cours de l'année scolaire 1932-1933 commencèrent le 7 novembre dans le bâtiment provisoire de l'établissement de La Paz. Les cours débutèrent dans le bâtiment construit par la mairie l'année suivante. Le bâtiment comptait 2 étages et 6 salles de classe d'une capacité de 60 élèves chacune, ainsi que 2 laboratoires de sciences avec une capacité de 32 élèves chacun et une salle de dessin pour 60 élèves. Il comptait aussi un secrétariat, des bureaux et les indispensables locaux sanitaires.